pour porter haut l'étendard de la culture. Pour le moment, mon élément, mon rayon, c'est la musique. Maintenant, je ne veux pas ne fonctionner que pour la musique, pour les musiciens. Je sais que la culture comprend tous les autres départements, d'autres catégories dont j'ai parlé tout à l'heure. Merci à vous. Je voulais lui remettre le axe hein, stratégique du gouvernement et les attributions que le chef de l'État a définies pour nous. Nous avons discuté suffisamment et longuement sur ça. Je sais qu'il va aller les insérer dans le bouquin qu'il est en train de préparer déjà. Et d'emblée, je lui souhaite vraiment un bon vent et beaucoup de détermination et d'engagement pour cette responsabilité qu'il a désormais à définir et à engager. Madame, merci, je suis honoré. Voilà, donc ça c'est les axes du gouvernement. Ouais. Je vais prendre connaissance de ça, je vais découvrir. Ouais. Et puis on verra bien. Madame Yomo Tombola. C'est ça, je ne sais pas s'il faut peut-être. Sur la tombola, il faut toi là, bon, on va aussi à la salle. Non, c'est ça, donc c'est le ministère qui définit. Évidemment, bien évidemment, nous partons du programme du gouvernement et de la vision du chef de l'État pour venir sur nos axes, nos attributions, les attributions que le chef de l'État a définies. Et tout ce que nous allons faire ne doit que rester dans ces axes-là parce que nous devons, chacun doit garder sa bande. Nous devons rester sur notre bande. Exactement. Voilà. Pour battre le record, il faut garder sa bande. Voilà. Vous allez nous excuser, madame, pour nos amis des Lingala. Parce que c'est ça. Lingala, je ne parle pas. Je vais seulement dire que c'est Pelle Mingue, qui est Kofi dans le bureau Nabiso. Président a nommé déjà ambassadeur culturel. Donc, Boyebie Mingi, ambassadeur de la musique congolaise. Mais aujourd'hui, Rofi a commis ambassadeur de la culture congolaise. Donc, à Kobanda Kolobela, Makambo à musique, peut Makambounion sur la culture. Au Italie, culture, ce qui est à musée, ce qui est à écrivain, ce qui est à Makambo à danse, Makambo à. Même des affaires traditionnelles, nous avons tout profit à Kolobelango, pour développer un projet, un programme avec le ministère pour que les choses aillent de l'avant. Développer, détecter le talent, promouvoir la culture, voilà ce que nous attendons. Voilà, c'est la Camoyon, c'est Kofi Akosal. Voilà, c'est la petite chose que je connais à Lingala. Culture Ezali et l'ogomoko essentiel pour l'existence Mboka. Mboka ou culture est belle, ils ont raté, les Mboka Mboka qui ont ça perdu. La culture, il faut d'abord penser à la jeunesse, aux enfants. Il faut que les enfants soient pris en charge beaucoup plus que ce n'est le cas aujourd'hui. J'ai toujours dit, j'ai parlé tout à l'heure de l'hygiène de la culture, c'est-à-dire et l'ogomoko est un néné, pas yo, il va former, pas là. C'est sûr, ça dit un mot, pas la nuit, tout le monde en avance là, bah, ok, on a fait, ah, naïba, robina, naïba, 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 boué, comédie, etc., kokoma, etc. Donc, la piste, c'est dans le bélé. Mais, là, il y a des bosso, c'est la jeunesse de mon pays qui doit être prise en charge mieux que ce n'est le cas aujourd'hui. Et dans le bien, moi, devant ministre, c'est-à-dire devant le gouvernement, c'est-à-dire devant le président, il faut appeler ça une responsabilité. Je pense que quelque chose va se passer. On ne va pas tout. Finir ici, tenir ici, mais moi parce que vous savez plus, madame, moi j'ai bien un animal là, grand crâne. Alors merci beaucoup. Au revoir Kofi, c'est un plaisir. Merci. Beaucoup de courage et allez vraiment bien les voir. Merci beaucoup. Bonne chance à vous. Merci. Merci. Par rapport à ma artiste, oui, le nom de papa, il y a ma artiste, il y a ce que je vais te prononcer parole. Non,
Japan. Vous venez pour remettre la station pour la journée internationale de la femme qui aura lieu le 8 mars. Nous serons ensemble avec Tini Foucault. Non, le 8 mars, il n'y a qu'un seul spectacle de Cindy chante la femme. C'est ça, c'est pourquoi nous sommes venus remettre pour Cindy. Nous serons là. Même si Ken Pianazo le bangote, le 8 mars, la plus belle voix à moi, c'est à Pokoyo. 15 millions de vies à Rumba. Mais c'est ça la polémique, parce que les gens qui ont excellence, mais ils ont un peu de polémique. Non, ils ont un peu de polémique.
Voilà, merci beaucoup, mesdames et messieurs, on est là. Oui, oui. Donc, on est là. Ça va. Moi, je suis ah, Ginié. Presse. Elle était la plus belle. Moi, je confirme bien. Mireille, la japonaise. C'est le moment où Tantine a mis le gimme. Je suis là. Merci à 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 Merci
Oh mon bébé, reste avec moi. Oh mon bébé. C'est là-bas au monde. Rendez-vous à ne pas rater, nous sommes là à cause de la journée internationale de la femme, ouais. Le 8 mars, qui aura lieu le 8 mars, nous serons là avec le veuve de Kinshasa de la République démocratique de Kinshasa. En tout cas, en bouteillage, je suis avec la plus belle, donc en direct de... Les abonnés de Maman Gini, Awa, dans l'embouteillage de la Kine. Ouais, c'est ça. Et puis, rendez-vous à ne pas rater le 8 mars au Zénith de Paris de Kinkolo chez Maître John Yemo, gouverneur de la ville de conseiller de la ville de Kinshasa. Et la gouverneure de la ville de Kinshasa, nous serons là chez lui, Papa John. Rendez-vous, on n'est pas rassuré. Papa Tuna Djanana sera là avec nous. Profi on nous mide. On vient de remettre les photos. Patin tete. Tete. Papa Bozi Boziana, Gezmawe, des petits Fali. Donc nous serons là avec tous les artistes de la République. Sans oublier nos journalistes. Comment Papana Bastien sera là. Quel Djanana. Ma mission est bien ici. Bon, j'ai invité Kofi Olomide, Papa Tuna Djanana, en direct de Paris, il sera là avec nous déjà, Kinshasa, et Bozi Bozien aussi, et Petit Fali, et Gezmawe, c'est ça. Je suis là. Avec mon fondation de Mireille Vissal ici, il faut quand même soutien, beaucoup de soutien. Artistes congolais, parce que artistes congolais, c'est beaucoup de soutien. Mais Mireille Vissal ici, parce qu'il faut quand même un soutien, papa de la République démocratique du Congo, Fatih Beto. Fatih Félix Tshilombo. Et tout le monde, la femme, on Tshilombo. Fatih Beto. Soutenez maman, mais elle est arrivée. Beaucoup d'amour, Gabengo, et maman, on va. Vas-y, bête, vas-y, maman, vas-y, bête. Banana, qui tient à mon congé. Banana, qui tient à mon congé. Banana, qui tient à mon congé. Banana, le 8 mars, c'est ça, ce sera là, le 8 mars, le rendez-vous. Ah, comme ils disent, c'est vous les femmes, il faut que les femmes venez beaucoup. Venez, Je salue en tout cas Marie-Josée Ifoku, je salue ma présidente, Pierre-Edouard aussi, je salue vraiment, je salue Marianne Ifoku, en tout cas venez nombreuses pour les mamans, mes soeurs, il ne faut pas rater. Coucou mon cœur, je suis là avec Gabana Bassène. Je suis là. Ton beau frère est là. Alors avec que tu es à qui moi, je sais pas vu. Je salue le grand Boubou Lyondela, partenaire officiel. Boubou Lyondela, moi, maman. Je salue Soclo de Paris, je salue. Grand prêtre, il y a mon poète, Tchatchomba la Kachogi, sans oublier l'homme qui arrête les temps. Salut toi, musicien. Quand on veut saluer, l'homme de toutes les années déjà, Papa John Anazoya, nos ambassadeurs, nos grands ambassadeurs internationaux, Dadju et Gims. Yo, bien Pierre Egola, le padre. Merci, à la prochaine.